Donc je ne sais pas si ça va être un setup de l'infini pour le prochain jeu, parce que c'est encore un jeu sur PC. Par contre, ça doit être un jeu relativement vieux, donc du coup il va encore falloir passer par des DOSBox ou des trucs comme ça, ou des machines virtuelles, pour l'avoir en plein écran, enfin pas en plein écran justement, en fenêtré. Et c'est William Shatner's Tech War, qui est donc un FPS. Un FPS qui est basé sur le même moteur que va utiliser Duke Nukem. On est un an avant Duke Nukem. C'est le premier jeu commercial qui utilisait le moteur Build, qu'il s'appelle. Et donc, il a été évidemment explosé ensuite par Duke Nukem 3D, hein. Puis ensuite par Shadow Warrior et Blood dans l'ordre. Je me rappelle bien. Bref. Ah, pourquoi il y a autant de retard sur le planning? Parce que le bloc de Tetris a duré, je crois, 40 ou 45 minutes de plus. Sachant qu'on avait déjà une heure et quelques de retard cumulé sur le début du marathon. Donc forcément, là on est à 2 heures, hein, peut-être, hein, de décalage, peut-être même un peu plus. Mais le dernier en date qui nous a fait perdre un peu de temps, c'est Tetris Grandmaster. Mais c'était un des runs les plus impressionnants du marathon. Donc j'imagine que ça valait quand même ça valait quand même bien le coup. Oui, tout à fait, le mec de Star Trek. Enfin non, s'il vous plaît, William Shatner, c'est avant tout et devant l'éternel, Hooker. Un TJ Hooker. Cette série de qualité avec Heather Locklear, s'il vous plaît, quoi. Et puis l'agent Romano, quoi. L'agent Romano, il était tellement garanti. Ah, Heather Locklear, si tu m'écoutes, Inférieur 3. Voilà, le petit cœur. Mais oui, Hooker, évidemment. S'il vous plaît. Respectez les artistes un peu. Respectez Mr. MV, tout ça. Hein. William Shatner, avant tout, avant d'être le capitaine Kirk, c'est Hooker. C'est pour moi. Voilà. Deal with it! Donc ok, c'est en train de setup tout ça. On va le rappeler encore une fois, on ne le répétera jamais assez. Vous êtes ici sur le Restream FR des Awesome Games Done Quick, version 2015. Si vous décidez de faire un don pendant ce marathon, la totalité de l'argent va être reversée à la Private Cancer Foundation. C'est une association à but non lucratif dont le but est de prévenir, de détecter et de financer la recherche contre le cancer. Vous pouvez en plus participer à des tirages au sort. En fonction du moment où vous faites votre don, vous êtes éligible à plusieurs lots. Il y a en tout plus d'une centaine de lots, je crois, à gagner pendant ce marathon. Le gros lot étant un flipper complet, les gars. Excusez-moi. Un flipper, boys. Vous donnez, je crois, $50 cumulés sur tout le marathon. Vous entrez en fait dans la possibilité de gagner ce flipper. Et donc le prochain jeu sera Tech War, du coup. Tech War qui est un FPS, du coup, comme je l'ai dit, qui est basé sur l'univers Tech War qui a été créé par William Shatner et qui a été traduit ensuite en roman, en série télé et donc en jeu vidéo. Ah, le voici. Donc visiblement ça marche. Ça c'est cool. Ça c'est cool. Bah évidemment, les Awful Games Done Quick sont pour la recherche contre le cancer des jeux vidéo. Mais non, il faut vous dire, les gars, que ça a beau être des jeux de merde, quand c'est joué par des dieux du pad, ça reste super bien à voir. C'est ça le truc. C'est comme ça qu'il faut le voir. C'est pas les jeux de merde, c'est juste un corollaire. Mais mon but, c'est que vous preniez du plaisir. Que vous kiffiez de voir des jeux de merde, mais joués par des putains de bons joueurs. Et ça, c'est beau. Ah, c'est beau. Ah oui. Ah là là. Dans ce box hype. Alors, juste un truc. Et là, je suis sérieux, par contre. On va arrêter de déconner 3 secondes. S'il y a des gens qui sont sensibles
dans les viewers aux éclairages. Et, voilà, comme vous le voyez maintenant, il y a beaucoup d'endroits en fait qui vont clignoter. Il y a beaucoup d'endroits qui vont avoir des couleurs immondes. C'est vraiment, vraiment gerbatif comme jeu et c'est très proche de l'épilepsie pour sang. Réellement. Donc je vous le dis tout de suite. Si jamais vous êtes un petit peu sensible à ce genre de truc, par pitié, éloignez-vous de l'écran pendant environ un quart d'heure. Réellement. Là, je ne rigole pas. Je suis physiquement malade à regarder des speedruns de ce jeu. Mais non, je vous bullshit pas, hein, réellement. Donc, faites gaffe, voilà, que vous le sachiez. Voilà, donc le serious time étant fini, on va pouvoir recommencer à dire, non mais qu'est-ce que c'est que ce setup, hein? Qu'est-ce que c'est que ça? On est sur la même plateforme et ça prend quand même trois plombes, hein, tout ça pour jouer à un pauvre jeu de 95 avec quatre textures. Non mais s'il vous plaît. En plus, voilà, mais qui c'est qui joue? Non mais qui connaît Adam AK? Hein, réellement. S'il vous plaît, citez-moi un seul jeu que speedrun ce mec, à part Tech War. Hein? Inconnu au bataillon, le mec. Inconnu au bataillon. Complètement. Hein? Ah, on me dit dans l'oreillette que ce serait un speedrunner de GTA. Connais pas. Connais pas. Pour moi, ça restera toujours le mec qui va jouer Tech War à la GDQ. Donc là, j'imagine qu'il est en train de tester la sensibilité du clavier. Parce que le jeu ne se, peut se jouer à la souris. Le problème, c'est que on ne peut pas recalibrer la souris et le calibrage de base est absolument immonde. C'est-à-dire que vous n'avez pas la même vitesse de visée pour le haut-bas et pour le droite-gauche. Et en plus, je sais plus si c'est le haut-bas qui sont inversés ou le droite-gauche qui sont inversés. Donc, basiquement, le jeu est quasiment injouable de base à la souris. Je sais pas s'il va le tenter. Visiblement, il a la main sur la souris. Donc, je sais que ce jeu a été speedrunné à l'ESA en 2012, me semble-t-il. Et le jeu, enfin, le mec qui speedrunnait faisait ça uniquement au clavier. Donc, peut-être qu'ils ont trouvé un moyen de rendre le jeu clavier souris pas trop dégueulasse. J'avoue que je sais pas. Cas, visiblement le jeu fonctionne. Ce qu'il faut savoir, c'est que Tech War, c'est un jeu assez dangereux à speedrunner, entre guillemets, bien sûr. Parce qu'il est très facile de planter le jeu. Il y a quelques moments qui sont assez unsafe dans le jeu. Si vous allez trop vite, en fait, vous pouvez vous retrouver dans des situations que le jeu ne parvient pas à gérer. Et ce jeu-là, quand il vient pas à gérer un truc, il a globalement pas trop le temps. Il va direct shutdown. Comme ça. Il n'y a pas d'embrouille. Donc c'est quand même un jeu qui est... Il faut aller vite, bien sûr, parce que ça reste un speedrun, mais il faut faire quand même attention à ce qu'on fait, parce que ça peut très vite tourner en drame. Et c'est arrivé justement à l'ESA. Je crois qu'au moment du niveau 4, il est allé trop vite en fait dans une porte, et le jeu a shutdown. Direct. Donc, c'était un peu la violence, quoi. Il a dû se retaper de la totalité du début du run. Bon, ça va, c'est un jeu qui... Enfin, en tout cas, les premiers niveaux sont vraiment très rapides, mais qui devient un petit peu plus long sur la fin. Ah merde, ça demande Toy Story. Ah, non, s'il vous plaît. Ok, c'est parti. Donc, Tech War, comment ça se passe? Vous êtes un policier qui est dans un monde qui est ravagé en fait par une nouvelle forme de drogue qui s'appelle le tech et qui est en fait sous forme de micropuces qui nous permettent de nous connecter entre guillemets à ce qu'on appelle la matrice. Ouais,
réellement. Et en fait, il y a un deal de ça, parce que les mecs deviennent accros à ce monde virtuel. Et en tant que flic, vous avez été piégé en fait par les tech lords pour faire croire que vous dealiez en fait du tech. En réponse à ça, vous êtes condamné à une cryoprison. Et au bout de 4 ans de purger votre peine, eh bien vous êtes libéré par William Shatner, qui décide en fait de vous utiliser, vous, pour être le bras armé de la justice qui ne fait pas son travail. Du coup, vous êtes mandaté par William Shatner pour aller tuer les tech lords qui ont mainmise sur toute la ville. Donc, lorsque vous êtes sur le menu principal, vous pouvez accéder au scénario d'assassinat, en quelque sorte, des 7 tech lords que vous avez dans le jeu. Et il s'avère en fait que chaque fois que vous lancez une partie, vous allez arriver dans un hub de plusieurs maps, et chaque map est interconnectée par un métro. Chaque fois que vous commencez la partie, vous commencez dans le métro, et ce hub-là va vous permettre en fait de vous téléporter à différents endroits de la ville. Ensuite, lorsque vous êtes dans ces endroits, vous devez soit trouver des clés cachées, soit d'assassiner des personnes très précises pour récupérer tout le temps des cartes d'accès qui vous permettront d'accéder à la fin au boss de la zone. Vous avez en tout 3 armes dans ce jeu. La première arme qui est un stun gun, une arme qui va assommer les ennemis une fois que vous leur avez tiré 2 fois dessus. La deuxième arme, c'est un flingue, accrochez-vous, qui sert à péter des vitres. Ok, désolé, je viens d'avoir un brain freeze. Vous avez une arme qui vous permet de péter des vitres, ok? Et c'est sa seule utilité dans le putain de speedrun. Et la troisième arme, c'est une sorte de fusil laser qui va vous permettre de one-shot la totalité des ennemis présents dans ce jeu, dont les boss. Ah, vous aussi, vous reconnaissez un pompage sérieux du scénario de Demolition Man. Je me posais la question hier de savoir si c'était moi qui avais l'esprit mal tourné, etc. Mais ok, je suis pas le seul à voir du Demolition Man dans ce scénario. Ok. Sachant que Demolition Man est sorti 2 ans avant ce jeu, hein. Donc moi je dis ça, je dis rien. Bref. Donc, au fur et à mesure que l'on avance dans le jeu, on a accès à de plus en plus d'endroits dans la ville, et du coup, on est censé passer beaucoup de temps dans ce métro. Mais il s'avère que depuis l'ESA, on a trouvé un moyen en fait de ne pas se taper les animations du métro, parce que normalement, on est censé rentrer dans le métro, attendre que la rame arrive au prochain arrêt. Descendre ou pas d'ailleurs si c'est le bon arrêt, mais en fait on a trouvé un moyen de faire des sequence break et de couper toutes les animations présentes dans le métro, ce qui fait qu'on passe beaucoup moins de temps dans ce hub et on a plus le temps de ne rien comprendre à ce qui se passe dans ce speedrun, parce que très franchement j'ai regardé le run environ 8 ou 9 fois, je ne sais absolument rien de ce qui se passe. Voilà, je vous le dis tout net, hein, je n'ai aucune idée de qu'est-ce, je ne sais pas. Je ne sais guère. Alors, si ça vous rappelle Duke Nukem 3D, c'est normal, étant donné que ça utilise le même moteur 3D que Duke Nukem. Et ce jeu est même sorti avant Duke Nukem 3D, 1 an avant, pour être précis. C'était le premier jeu commercial qui utilisait le Build Engine, qui est donc utilisé plus tard dans Duke Nukem. Ah, les coquillages. Les coquillages, il y a eu une explication officielle de comment marchent les coquillages, je vous invite à regarder ça sur Google. Mais basiquement, vous vous servez de 2 coquillages pour... Non, je vous laisse chercher. Je vous laisse chercher, je ne vais pas raconter ça à 1 heure de grande écoute sur l'Eurostream. Il y a une explication officielle, racontée d'ailleurs par Sylvester Stallone. Je vous invite à chercher cette explication. Ok, donc ce qui se passe ici,
On a déjà visité une partie de la ville, on a récupéré la carte rouge. Vous le voyez sur le bord de l'écran, il y a une sorte de machin blanc avec un carré rouge au milieu. Ça veut dire qu'on a la carte clé rouge. Et une fois qu'on avait récupéré cette carte, il fallait se rendre une nouvelle fois dans le métro pour ressortir dans la zone où se trouvait le boss. C'est pour ça que je vous dis que le jeu devient de plus en plus complexe au fur et à mesure, parce qu'on a accès à de plus en plus de zones différentes, et du coup le jeu devient vraiment difficile à gérer, parce que vous avez énormément de possibilités de où se trouve cette satanée carte clé qui nous manque. Donc au fur et à mesure que l'on tue les 7 Tech Lords, on gagne en fait, vous voyez les petites icônes qui se trouvent en bas. Et une fois que vous avez récupéré les 7 insignes, entre guillemets, des 7 Tech Lords, eh bien vous êtes projeté dans la matrice. Et c'est à partir de là que je demande aux gens qui sont sensibles aux éclairages, voilà, aux trucs, aux bouillies de pixels, de s'éloigner de l'écran le plus vite possible avant qu'il y ait des morts. Là, on est totalement dans la vitesse normale du jeu. Et donc, le but, en fait, lorsque vous êtes dans cette matrice, c'est de pirater les 7 colonnes de lumière qui sont en fait les 7 liens avec la matrice que vous avez récupérée sur les boss. Vous voyez, en tuant les boss, vous avez récupéré leur lien à la matrice. Et quand vous allez désactiver ces 7 liens, vous allez mettre fin à la matrice. Donc, du coup, on va passer la moitié du run dans cette atrocité de la nature, hein. En plus, on est en 3D, hein. On peut à la fois aller à droite, à gauche, devant, derrière, mais aussi vers le haut et vers le bas. Et notre seule arme dans cette matrice, c'est d'utiliser ce Power Glove Zarbi, qui à la fois nous permet de pirater des zones de la matrice. Donc ce sont ces sortes de spirales jaunes là que vous voyez. Et l'autre utilité de ce gant, c'est de balancer des sortes de vagues psychiques, je sais pas trop, qui vous permettent de détruire les robots qui se trouvent à l'intérieur de la matrice. Voilà. Et c'est globalement un des trucs les plus gerbatifs qui m'ait été donné de voir dans un jeu vidéo, de façon globale. Non mais réellement, cette partie-là du speedrun me rend balade. Je ne rigole pas lorsque je vous dis que si vous vous sentez pas bien, ne regardez plus l'écran, réellement. Parce que franchement, c'est chaud patate, quoi. C'est vraiment chaud patate. Voilà. Donc, je ne sais pas si Adam Eike prendra le temps de nous montrer la carte de cette zone. Là, on voit qu'il utilise la carte pour se placer correctement dans le niveau, mais en fait, il y a moyen de dézoomer fortement la carte pour que vous puissiez voir l'étendue en fait de la matrice. Et en fait, c'est un énorme labyrinthe divisé en 7 parties différentes. Enfin, c'est absolument atroce. Franchement, j'ose même pas m'imaginer en train de jouer à ce jeu. Franchement, après avoir vu plusieurs fois ce passage de la matrice, je ne peux pas décemment me dire que je vais essayer ce jeu. Je veux pas faire ça. Je veux pas. Fichez-moi la paix. Je ne veux pas avoir à faire ça dans mes jeux vidéo. Non, c'est pas possible. Sachant qu'il y a des passages un petit peu plus gerbatifs que les autres, sachant que celui-là, celui qui vient de lancer avec les numéros, en fait, vous avez en fait des murs où il y a des 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 qui apparaissent très très vite, c'est un des pires, hein, je crois, dans la gerbance visuelle. Non mais regardez-moi ça, mais c'est horrible. Oh, c'est horrible. Enfin bref. Je le répète, je le répète, le but de cette partie, c'est de détruire les 7 piliers de lumière qui sont à l'entrée, si vous voulez, entre guillemets, de la matrice. Ils mettront fin, en fait, au lien qui lui donne vie, quoi, tout simplement.
Awesome game. Après, je veux bien accepter que les mecs avaient envie de s'amuser un petit peu avec le build engine et de voir ce qu'il avait dans le ventre. Et c'est vrai que du coup, avoir pour but de créer un monde virtuel où on peut se mouvoir en 3D, franchement, ça a l'air. On se dit qu'il y a vraiment du potentiel, mais putain, pas comme ça, quoi. Vous auriez pu faire un. Je comprends le délire visuel de la chose, mais là, c'est peut-être un petit peu trop. Peut-être un petit peu trop. Alors après, paraît-il qu'il y a des techniques de speedrun dans ces zones-là. De toute façon, je suis trop malade pendant ces runs pour écouter ce que raconte le speedrunner, donc vous m'excuserez, hein, je ne connais pas toutes les techniques de speedrun optimisées pour ce jeu. Si vous avez des questions, je vous invite à envoyer un message privé à Adam AK. Je suis persuadé qu'il va vous expliquer tout bien en long, en large et en travers, mais là je vous avoue, je passe mon tour, vous voyez. Là je dis non, je dis stop. Voilà. Je veux bien faire des efforts pour les jeux de merde, mais là c'est trop pour moi. Et pour ceux qui se posent la question, parce que je sais qu'il y en a qui se posent la question, est-ce que c'est encore long? Ouais. Ouais. T'es encore long. C'est moi qui avais commenté la run de Goosebump. Non. Nope, ce n'est pas moi. Tiens, je pense que c'est un très bon temps pour aller voir où en est le tracker, parce que là franchement faut que je change de page, c'est pas possible. Sinon il va se passer des trucs horribles. Ok. Donc, le caractère bidoir, non. Language bidoir. On est toujours 800$ derrière le Korean language pour Jack 2. D'ailleurs, quand c'est qu'il se passe Jack 2 dans le marathon? Jack 2, c'est demain à 15h, donc on a moins d'une journée pour arriver à passer 800$ sur Jack 2 pour le passer en français. C'est pas gagné, hein. C'est pas gagné. Je pense que le run dans lequel je vais poser mes 50$, il est ce soir en fait. Donc du coup, je pense que je vais bourrer ce défi-là. Mais 800$, c'est quand même un petit peu compliqué. Donc voilà, si vous avez dans l'idée de faire un don pour le marathon, n'hésitez pas à bourrer pour Jack 2 en version française, parce que à mon avis c'est une des donation incentives qui est le plus à risque, on va dire. Donc moi je sais que je le mettrai là-dedans. Voilà. Donc après vous faites en votre fort intérieur, hein. N'hésitez pas, comme l'a répété plusieurs fois le joueur du grenier, si vous n'êtes pas en mesure de donner, etc. N'hésitez pas à laisser des messages sur les réseaux sociaux, utilisez le hashtag AGDQ2015FR sur Twitter, n'hésitez pas à ramener les gens sur ce restream FR, plus on est de fous, plus on rit déjà, et plus on est de fous, plus il y a de dons potentiels. On le rappelle, c'est pour la recherche contre le cancer, pour la prévention contre le cancer, pour le dépistage, donc c'est quand même une bonne action. Allez, je retourne sur le stream. Et il est toujours dans la matrice. Bon, je peux pas. Je vais pas pouvoir faire des trackers strat pendant trop longtemps. Donc bon, ça me désole, mais je vais essayer de commenter ce qui se passe. Donc vous voyez, on vient de passer dans le hub principal de la matrice. Et comme je vous le disais, en fait, on doit désactiver les sortes de les sept piliers entre guillemets que vous avez dans la salle principale. Alors je sais pas trop où on en est. Visiblement, on en a déjà désingué deux, parce que vous voyez, quand vous regardez le bas de l'écran, vous avez les sigles qu'on a récupérés sur chacun des Tech Lords qu'on a assassinés froidement pendant la première partie du jeu. Il y en a déjà deux qui sont grisés maintenant, qui ont perdu leur couleur. Donc j'imagine que c'est ce qui se passe lorsqu'on arrive à mettre fin à ce lien avec la matrice. Et je pense, il me semble, que Adam AK a commencé par les plus longs.
Moi aussi, les derniers par temps, les il a été deux, très hein, faible. par les deux liens les plus longs. Normalement, les quatre qui restent maintenant doivent être un petit peu plus rapides que ce qu'on vient de subir. Est-ce que Shatner était game designer à... Je ne sais pas s'il a beaucoup participé à l'élaboration de ce jeu. Ce que je sais par contre, c'est que déjà, ce n'est pas lui qui a écrit les bouquins. Il avait un nègre, il avait un ghostwriter, comme on dit en anglais, donc un nègre en français, qui l'a écrit pour lui, qui est un auteur de science-fiction dont malheureusement le nom m'échappe. Je ne m'y connais pas énormément d'ailleurs en auteur de science-fiction, donc vous me pardonnerez de ne pas avoir retenu son nom. Mais donc ce jeu vidéo, Tech Wars, ces bouquins, ont été aussi, ils ont été aussi déclinés en série télé. Je crois qu'il y a eu deux saisons de cette série télé. Et du coup, la plupart des personnages que l'on rencontre lorsqu'on est dans la phase dans la ville sont des personnages que l'on rencontre dans le bouquin et dans la série. En fait, tout est canon entre chaque bout en fait du Tech Wars. Et divisé, que ce soit dans les bouquins, dans la série, dans le jeu vidéo, etc. Il y a des liens forts qui existent entre chaque. Donc j'imagine que si à l'époque on était intéressé par cet univers, eh bien on avait la possibilité de pouvoir découvrir cet univers sous différentes facettes. Et ça, c'était bien, moi je trouve, ça, d'avoir la possibilité d'aller un petit peu plus loin que juste la série télé, juste les bouquins, etc., machin. Et là, comme je vous dis, voilà, on vient d'enchaîner trois piliers extrêmement rapidement. Hein, il nous en reste trois maintenant à terminer. Et il faut savoir que ce jeu, à la base, avait de très très grosses ambitions. De ce que j'ai compris, ils avaient beaucoup beaucoup d'idées qu'ils n'ont malheureusement pas pu intégrer dans le jeu. Et ça va paraître horrible pour les fans de rétro gaming et de bons FPS qui sont présents parmi vous. Mais certaines idées non exploitées de Tech Wars ont été reprises, tenez-vous bien, dans Deus Ex. Deus Ex est un jeu dont le prémisse et certains des éléments proviennent en droite ligne de Tech Wars. C'est alors, je sais qu'il y en a parmi vous qui vont crier au scandale, étant donné que je sais qu'il y a énormément de fans hardcore de Deus Ex partout dans le monde. Donc, je suis sûr qu'il y en a quelques-uns parmi vous. Eh bien, sachez que Deus Ex est en partie ce qu'il est à cause de ce jeu. Voilà. Donc, j'espère que ça va, que vous avez gardé quand même Deus Ex suffisamment haut dans votre estime. Ok, donc on en a fini avec la matrice. Et notre dernier but, c'était de tuer encore une dernière personne. Et voilà. Donc, je suis en mode début de décès, hein, je vous avoue. La matrice est toujours aussi fatigante à regarder et encore plus à commenter. Je suis désolé de vous apprendre que Deus Ex se prononce Deus Ex. Voilà. Deal with it! J'imagine, probablement. Ok, on en a fini avec Tech War. Fuck yeah! Je suis quand même bien content d'en avoir fini avec ce jeu, je vous avoue. Ah, c'est violent. Hein. Franchement, c'est violent comme jeu. Hein. C'est un jeu qui peut mettre physiquement mal à l'aise. Hein, la première fois que j'ai regardé ce jeu, j'étais en mode aspirine hein, derrière. Hein. Ouais. Le world record, j'en ai aucune idée. Je crois que les gens n'ont pas se sont pas embêtés à faire des world records depuis qu'ils ont trouvé le nouveau skip du métro en fait. Alors peut-être que Adam McKay va il y en a un sur sa chaîne. J'ai pas été capable de le trouver en tout cas. Il y a un world record sur sa chaîne donc je serai pas en mesure de vous dire ce qu'il est. Voilà. Donc j'ai mal fait mon boulot tout ça. Les notes. Hein. Autour de 11 minutes! Waouh, vous êtes sérieux? 11 minutes, j'ai l'impression que c'est le temps qu'on passe rien que dans la matrice.
Mais non, je pense qu'on passe plus 9 ou 10 minutes maximum dans la matrice. Et encore, il y a des setups assez difficiles pour passer certains murs. Il y a aussi des setups à un moment où il y a des sortes de murs laser qui vous empêchent de passer. Et en fait, si vous arrivez au bon moment, vous pouvez passer immédiatement et pas attendre que les lasers disparaissent, etc. Donc il y a moyen d'optimiser le truc. Enfin, on en a fini avec tes couards, je vous avoue que ça me fait relativement plaisir.